Le champ d'olivier bouche un peu la vue de la façade côté est, mais remarquez les pierres taillées au niveau de l'église. Les pierres au-dessus sont posées d'après le style du pays, en billets. Remarquez les pierres posées de façon inclinée. À gauche, vous pouvez voir les joints faits d'une mixture de chaux et de ciment blanc. Tel sera le résultat définitif de toutes les façades. Ici, dans l'appartement, nous pourrons loger une quinzaine de personnes. Entre les deux grands portails, nous aurons le restaurant, aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Ici, nous voyons un détail du haut plafond de la porte d'entrée. L'église salle de conférence est faite en pierre brute. L'écho sous le dôme est majestueux. Cette église sera également et principalement employée pour rassembler le corps du Christ et organiser des séjours de retraite spirituelle. Voici la cheminée du restaurant. Elle a été construite avec des pierres taillées que nous avons récupérées de vieux bâtiments. Derrière elle, on voit deux escaliers qui montent vers le salon. Le mur est fait en pierre d'après le modèle des maisons anciennes de Damas. Notre restaurant aura une capacité de 200 places, deuxième étage y compris. Souvent, des groupes de touristes viennent nous visiter en bus, et en été, nous recevons jusqu'à 500 personnes par jour. Ici, ils auront de quoi se restaurer. Le salon n'a pas de plafond. Le haut des murs nord et sud sont des balcons du premier étage. La chapelle aura une capacité d'environ 80 personnes. L'autel sera placé devant la grande fenêtre, derrière laquelle il y a un petit balcon avec vue sur tous les terrains. La bibliothèque se trouve à côté de la chapelle. Elle est également munie d'un petit balcon. Rappelons-nous le salon au rez-de-chaussée. Au fond de la photo, nous voyons la fenêtre de la chapelle. À gauche, on aperçoit un escalier qui descend vers le salon. Dans ce couloir du premier étage, les fenêtres de droite mènent vers le restaurant. Du côté gauche, nous voyons les portes d'entrée des cellules. Dans ce plan, le bâtiment est, dirait-on, découpé dans la longueur. En regardant bien, nous pouvons déceler les trois étages. En regardant bien, ici aussi, nous pouvons déceler les trois étages. En travaillant au bâtiment de Notre-Dame de l'Unité, notre architecte prend la latitude et la longitude sur sa boussole, 34 degrés 9 minutes nord et 36 degrés 43 minutes est.
En examinant ces mesures avec Mère Agnès, il découvre que notre monastère se trouve sur un axe très spécifique. Celui-ci croise exactement le centre-ville de 5 capitales chrétiennes. Remarquez le monastère entre Urfa et Damas. Urfa est la capitale des Syriaques. Le Saint-Suaire de Turin s'y trouvait également avant son transport en Italie. Et d'après une tradition locale, c'est là où est né Abraham. Damas est le lieu de la conversion de Saint Paul. À Jérusalem, le Christ est ressuscité et Bethléem est le lieu où il est né. Finalement, Hébron est le lieu de la sépulture d'Abraham.